organisé aujourd'hui cet entretien avec Dr. Kara à l'occasion du 50e anniversaire de la clinique Al-Habib et aussi pour rendre hommage au parcours du Dr. Kara. Dr. Kara, bonjour. Belkhir, bonjour. D'abord, on souhaiterait savoir qui est Dr. Kara. Parlez-nous de votre enfance, de votre scolarité et de votre famille. Alors, je suis né le 28 mai 1936 à Mostaganem, de Kara Mustafa Al-Habib et de sa cousine Kara Mustafa Ajj. J'ai grandi dans le quartier d'Irdrb, entouré de toute la famille. Toutes les familles se connaissaient à l'époque. Les gens se retrouvaient, ils rentraient chez eux, se recevaient. Et j'ai fait une scolarité à l'école Condorcet de l'avenue Rénal, actuellement chez Saïd. Je suis resté 5 ans à l'école Condorcet. Et au bout de 5 ans, j'ai été reçu en 6e. En 6e, donc, je suis arrivé au lycée René Bassé, maintenant Zorroré. Au lycée, j'ai fait une scolarité normale. Donc, une scolarité normale, difficile, nous étions peu d'Algériens. On nous appelait à l'époque les indigènes. Ouais. Et où les melons. Hein, les indigènes, les melons. Donc on était peu, on était 2 ou 3 par classe. On nous mettait au fond de la classe. On a gardé au fond de la classe. Donc j'ai fait mes études là-bas, et ça a été une étude difficile. En 1953, j'ai perdu mon père, novembre. Ça a été le... traite. Ah, pendant des semaines, j'entendais sa voix dans la cuisine. Ah oui, pendant des mois, j'ai entendu, eh ben, les ratfater, c'est pas dans l'appartement, sa voix. Eh ben, c'est net. Ben, c'est contre toi, mon père tenait grande place. Quelle mana, c'était pas l'époque qui m'a l'art, il était très proche de nous. Et la mana, j'avais perdu un grand frère. Ça m'a beaucoup marqué. En 1954, j'ai été reçu au BEPC. J'ai passé la première partie du bac en 1955. Le bac se passe en 2 fois, en 2. Première partie et 2 secondes parties. En 1955, j'ai passé la première partie du bac. Et en 1955, en mai 1956, il y a eu l'Assemblée Générale des étudiants musulmans algériens qui ont décrété la grève. Donc, quand est arrivé le bac, je n'ai pas passé la seconde partie du bac. Quand j'ai pas passé la seconde partie du bac, on a été eu déçu. Donc on a été convoqué par la police qui nous a menacé de nous enlever le sursis pour faire l'armée. Ah, parce qu'à l'époque, l'Algérie était soumise à l'armée obligatoire. On nous a menacé, nous avons essayé de rentrer en prison pour refus, pour rébellion contre l'État. Revenir. Voilà. À 20 ans ? À 20 ans, j'étais une première partie du bac, on a straqué. Et puis je ne suis pas parti, je ne voulais pas partir. Non. C'est un parent qui était dans la police qui est venu voir la vieille Hadjana Hama. Et là, ils vont dire, bah, il écoute l'eau. Donc à ce moment-là, vous décidez de partir en France pour continuer vos études. Ah là, là, on va partir, on ne va pas prendre des études. Harp, Ribeshna, D'accord. Moi, jamais j'ai pensé à faire mes études, moi, c'est le clamor. D'accord. Mais que le meilleur, c'est le. Je fais de Scapa Maria qui m'a dit. Scapa Maria, Europe. Je n'ai pas question d'études. Question. Donc, Mohamed est né, travaillait chez un Italien qui s'appelait Bassi, qui avait des caves. Avec l'Italien, avant de partir, m'a donné 2 lettres. Une lettre de recommandation pour une dame qui tenait un hôtel, et une lettre de recommandation à un grand avocat de Paris, son nom Thomas de Guy. Elle est petite, si tu vas, tu j'ai ces 2 lettres. Donc, je suis parti en bateau. Sans passer par la police, ouais. C'est un bateau fait d'Italien, clandestin, pendant 48 heures. Et donc je suis arrivé, si vous voulez, à Paris, à cet hôtel. Ouais. J'ai présenté la lettre, la dame m'a embrassé, elle était, écoutez, vous n'avez pas d'argent, on n'a qu'une chambre au 8e étage, ma fille couloir, on est censé, j'ai été logé. Voilà, je dis, Mohamed, reviens dans la main. J'étais moi, Gatlou Soubrah Gabalakouk, qui est Taouloualia. J'ai né l'hôtel, ça m'a fait l'hôtel. Frahna, etc. Malgré est-ce que tu veux pas reprendre tes études? Car on dirait une partie du bac, il fallait la deuxième partie. Toi, là, il y avait un nommé Mouer, un inspecteur à Mostaganem, Habib Khouya, il a été muté à Paris. Il a un choufou, qui a rasé. Je cherche Mouer, il n'y a pas de problème. J'ai un ami proviseur au lycée d'Alençon à
dans la basse Normandie, qui est proviseur. Je vais l'appeler, à Etlo. Il n'y a pas de problème, il vient. Et c'est comme ça que j'ai repris mes études en tant qu'interne à Alençon, en Normandie. À Sachon, interne, fait de Clessie. Et j'ai passé la deuxième partie du bac. Oui. La deuxième partie du bac, au lieu de Chir. Alors, j'ai pris la première partie en 56, et en 58, j'ai passé la seconde partie du bac. À tout l'été, dès que j'ai 12 ans. D'abord, il y a des études de médecine, et je me suis dit, mais qu'est-ce que le problème monté? J'ai été m'inscrire en PCB, c'était un tronc commun avant de faire médecine. Faut le tour, fait la station. Luxembourg, un CIPCOPA, 4000 COPA, comité des heures parisiennes, tralt, le comité des heures parisiennes, je peux voir quelques années, voilà, je suis étudiant, tralt, voilà, je suis étudiant, je viens de m'inscrire au PCB, j'ai pas où dormir, j'ai pas de bourse, c'est pas vrai. Je dis, quitte-là, tu ne bouges pas, mon fils, ne bouge pas. Débouche d'embrasser une bourse au bout d'une semaine, elle m'a logé à la cité universitaire d'Antony. Une cité très loin d'une quinzaine de kilomètres de Paris. Les lilas, mamie, n'ont plus jamais repoussé, mamie, au verger. La cigale, mamie, s'est rendormie dans un coin, mamie, du verger. Le furet, mamie, il s'est enfui. S'est enfui, mamie, du verger. Elle est morte et enterrée, la fauvette d'amour est jamais plus au verger, elle ne viendra chanter, elle ne viendra chanter. Par là, on aimerait bien que vous nous parliez comment se sont déroulées vos études en médecine en France. Les études de médecine en France sont des études très dures, très longues. Même les Français de souche qui habitent évitent de faire la médecine. Ce sont des études très longues, de 5 ans. Les deux premières années se passent d'une façon théorique, à la nouvelle faculté de médecine de Paris. C'est des travaux uniquement théoriques. Et troisième, quatrième, cinquième année se passent des stages pratiques le matin, l'après-midi, le matin les hôpitaux, l'après-midi les cours, dans la grande faculté. C'était très difficile. Oui. Il y avait pléthore de candidats, il y avait les médecins, les professeurs, étaient très durs, très tendres. Et moi, je suis arrivé là dans la médecine sans moyens. Déraciné dans une cité, avec des difficultés bien sûr financières. La bourse était insuffisante, ça suffisait très loin, tout juste quelquefois pour le transport. Il m'est arrivé de dormir le soir sans manger. Ah oui. Et il m'est arrivé de faire du stop pour aller à la fac. Et un jour, je me suis dit, faut que je me décarcasse, il faut faire quelque chose. Voilà, mais une moutine qui m'a boule. Moi, ça, les amener. Mon handi Wendia, mon handi Raoudi, la poubelle qu'elle a, Fibi très royale, normal, Malek et Daufir, je suis devenu fou. Il faut que je m'en sorte. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la musique. Eh bien, je vais faire de la musique. Et j'ai commencé dans cette cité où il y avait peut-être 10 000 étudiants à chercher des musiciens. Et un jour, en passant près du foyer, j'entends une bossa nova jouer au piano. Et je vois une petite jeune, une petite guadeloupienne. Écoute, là, tu sais jouer ça, Gatti, oui. C'est pas vrai. Je veux faire un orchestre, je veux faire jouer avec moi, Gatti, oui. Peut-être que tu connais pas des musiciens, Gatti, oui, j'en connais deux. Et elle m'a amené deux Sud-Africains qui jouent de la trompette et du saxo. On a cherché, on a trouvé un guitariste de la Guadeloupe. Et on a formé un orchestre. Et comme j'étais fier, j'ai fait appeler l'orchestre Rara Buenos. Le nom de Rara, j'ai mis mon nom en grosse lettre. J'étais fier d'être là. C'était difficile d'alterner entre les études et... Pendant 4 jours, 5 jours, vous êtes fatigué, vous vomissez. Ouais. Et un jour, je me souviens, j'étais assis dans ma chambre, et on a frappé à ma chambre, et un vieux monsieur est arrivé. Il dit, vous êtes Cara qui fait de la musique, Cara Bruno, c'est vrai, mais... Il dit, voilà, on a un problème avec ce samedi, est-ce que vous ne voulez pas venir faire danser les gens à la salle Wagram, parce que l'orchestre qui devait venir, ne pouvait pas venir. 3-4 jours après, j'ai oublié un chèque.
le gars qui m'avait engagé, que je lui ai donné moi de l'espèce. J'ai pris soin d'être, j'ai pris Perrier dans le soir. Ah là là, alors j'ai pris deux parties, une part à chacun, et j'ai dit sous l'orchestre. Je ne voulais plus faire d'orchestre. Oh, si je faisais l'orchestre, je ne faisais plus médecine. Ou oh, traverse la chambre d'étudiants un an, ou si tu as chinti qui était le mec là, tu as la raison, il est à l'école. Quand on me demande pendant un an, on est à l'école, j'ai arrêté l'orchestre. Ça, c'est la première expérience d'orchestre. Et puis ensuite, j'ai commencé à composer des chansons. J'étais dans un institut où j'ai rencontré un grec qui m'a donné le goût de la poésie, qui commençait à écrire des chansons à la guitare. Et j'ai commencé à chanter au foyer de la cité. Il y avait le foyer D, et j'ai commencé à chanter mes chansons. Puis un jour, il est arrivé un gars, regardez-moi le jour, c'est mon catoire, son François. Regardez-moi le jour de la contrebasse. Tu veux pas que je vienne t'aider? Ça, il vient. François Catard. Un jour, un autre est arrivé, il joue de la guitare accompagnatrice. Et j'ai eu deux guitaristes, elle là, on a Jean-François Catroix. Et on a formé, ils chantaient mes chansons, Cambrassens à l'époque, Léo Ferré. Donc, je chantais mes chansons. Et un jour, Jean-François Catroix, regardez, pourquoi on ne va pas te demander une audition chez une maison de disques? Tu débrouilles-toi. Et il appelle Barclay. Et Barclay, on venait faire une audition. Donc, on se retrouve dans un studio d'enregistrement. Près de Paris, près des Champs-Élysées, je suis débarqué. On est rentré, on a chambre de cou, il y avait des instruments. On a fait un essai, deux essais, deux chansons, mes chansons, paroles et musique. J'étais trop fier. J'ai chanté mes chansons. Et puis au bout de 3-4 jours, on nous appelle. Et il est venu signer un contrat. Et c'est là que j'ai signé un contrat avec Barclay. Donc j'ai fait 2,45 tours avec Barclay et j'ai fait la télévision. Donc j'étais étudiant, je faisais la télévision. Et j'ai passé la révolution algérienne comme une fleur. Personne ne pensait qu'à la harpée. J'étais connu à Paris, moi, les gens me connaissaient. Mais avant, il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'était l'ORTF. Ouais. Donc le samedi, le soir, quand passait, vient de paraître, l'émission vient de paraître, passer, et vous chantez, c'est toute la France qui vous voyez. Il n'y avait pas une seule chaîne, c'était l'ORTF. Ça m'a permis de vendre des disques, ça m'a permis d'être à l'aise. Et ça m'a permis d'être connu, bien sûr. Toujours à ce moment-là, outre les études. Elle dit, mais j'ai jamais lâché. Les études, enfin, le matin, aller à l'hôpital. Le soir, à partir de 3e année, faire des gardes. Il y a la guerre. La Belle 54-62, c'était pas du gâteau. Donc, je cherchais dans le milieu étudiantin. Et à soir, l'arabe, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je faisais la musique. Donc, je m'assieds de la Fédération de France. Je faisais des parcours, j'ai aidé les gens, je faisais l'alphabétisation à Nanterre. Une fois tous les 15 jours, j'allais à l'Amsacre des ouvriers à écrire A, B, l'alphabet, etc. Ça nous posait des problèmes avec la police, les contrôles de police, l'alphabétisation dans les foyers. Plus tard, bien sûr, on a aidé les gens à être hospitalisés sous des fourneaux. C'était votre façon de contribuer à cette révolution. Ah oui, elle était obligée. Ouais. Moi, je me suis senti, moi qui étais parti, je me suis senti obligé. À la fin, quand je suis devenu médecin, il m'est arrivé d'hospitaliser des co-religionnaires sous des faux noms qui étaient recherchés. Ouais. Et mon infirmière deux infirmières qui étaient d'origine espagnole, langue, on peut dire en sable. Ah oui, c'était ma participation. Et comme je n'étais pas connu, et c'est grâce à ça qu'on m'a autorisé à ouvrir un cabinet. D'ailleurs, sur l'autorisation d'ouverture de mon cabinet, il fait pour fait de révolution. Être autorisé à ouvrir un cabinet médical a été retardé dans ses études pour fait de révolution. Comme je n'étais pas connu de la police, j'étais chanteur, j'ai la guitare à côté, avec une peau de mouton, on me faisait faire agent de liaison. Je transportais des missions en Allemagne, en Belgique. Personne ne pensait qu'un artiste à câble de guitare. Ça, c'était ma situation à la FN. Sinon, on ne pouvait pas. Ah oui! Qu'il y ait brousse ou buisson, qu'il y ait sentier boueux, ou colline de chardon, je cours à travers lieu. Qu'il vente ou bien qu'il gèle ou qu'il fasse mauvais temps, qu'il pleuve ou bien qu'il grêle, je cours à travers temps. Ma belle toute blanche, je cours c'est pour toi, j'aime le dimanche quand je suis près de toi. Ma belle toute blanche, je cours c'est pour toi, j'aime le dimanche quand je suis près de toi. Et votre expérience dans la musique. Parlez-nous de votre expérience dans la peinture. Ah non, c'est tout le monde malade.
des peintres. Pas les Gramsci, des peintres. Ah, il a cheval, ils sont un peu à l'aide. À 8h30. Écoutez, allez, je me suis dit, le lendemain, je me suis dit, il y avait un gars qui s'appelait Pedro. Un gros bouffard. On connaît le sabbat. On est resté 15 jours. Je l'ai vu comment il travaillait. Pedro, qui canne. Et comment il fait de la peinture. Et puis, après, on s'est séparés. Et j'ai repris mon travail. Pedro, je n'ai plus revu. Et on rentre en Algérie. Quand il y a les années dures, les années où on ne sortait plus, la décennie noire, un jour je me suis rappelé de Pedro, je me suis mis à peindre. Et j'ai peint une centaine de tableaux ici. Moi j'aimerais rebondir, si vous voulez, sur votre retour en Algérie, en 1967. Alors là, expliquez-nous ce choix. Alors moi j'ai fini toutes mes spécialités, moi c'est un dire. Tout hémato, tout parasito, tout dermato, tout radarmo, tout. Moi c'est un dire. Me donner des profs, me donner. À la fin, traite en vacances, c'est le Gbel Hadja. La maman Mskina qui était veuve très jeune, 53. Elle nous a vu un Mshit. Elle a été secouée par mon frère aîné, Mohamed Khoya. Il a été rejoint là une année. Et elle a eu une misère, une petite retraite. Donc la vie est très très dure. Traite. J'étais très heureux de l'avoir. Donc il a goûté, ce matin. Et je ne suis plus jamais reparti. À l'époque, j'étais marié avec une étrangère, avec une Française, j'avais un enfant. Ma femme était prof de français. Donc, je suis rentré. Et moi, on a été obligé de dire une mot ou sur le télégramme, ou le commettre, ou comme tu achètes, ou comme tu achètes. Et je suis resté. Et je suis resté deux choses, je dis la vérité. Je suis resté pour la maman, parce qu'il fallait lui rendre ce qu'elle avait fait, et je suis resté pour le pays. C'était triste de voir le désert médical. C'était triste de voir ces hôpitaux vides. Des gens qui mouraient pour une appendicite. Donc j'ai décidé de rentrer. Et comment vous est venue l'idée de... Des amis sur le ministère, عند كي حد سبيشاليتي والله يعطي قعدات في نايا في المينيستير قال لي انا اوتون ميسيلي اون فو دوني ان ديبارتمون مو مينيستير vous allez reprendre l'Algérie vous êtes l'Algérien le plus titré vous avez 7 ou 8 spécialités donc on doit vous demander de rester au ministère vous allez représenter l'Algérie dans les trucs internationaux Claudie là il a demandé au chef de dire oui j'aurais chauffe donc on m'a amené à Hydra et on m'a montré des villas vides avec des piscines, couchées. Gagnez si vous avez quelqu'un, vous dans la clé, et vous avez ministère. Je suis resté donc 3 mois chômeur. Le ministère n'a pas voulu pendant 3 mois. Ensuite, Atta, le préfet de l'Aïd de Kroubelkhir, m'a autorisé à m'installer. Et alors, après, le ministère a accepté, on m'a envoyé une autorisation d'installation dans le cadre de la mi-temps. Donc, dans le cadre de la mi-temps, le matin, je travaillais pour l'État. J'étais responsable du laboratoire de l'hôpital. Et l'après-midi, je travaillais à mon compte. J'avais un cabinet, celui de au Colisée, un cabinet à Colisée. J'avais un cabinet au Colisée, l'immeuble Colisée. Et c'est comme ça. Et j'ai travaillé ce mec pendant des années, j'ai formé des laborantins. Et l'année d'après, en 68, le doyen de la faculté d'Oran, Ayatley, il dit voilà, on a des problèmes, on n'a pas de professeur de parasitologie, est-ce que vous pouvez enseigner la parasitologie aux étudiants de troisième année à Oran? Et 3 fois par semaine, ouais, gratuitement. Au lieu de faire l'hôpital, j'allais enseigner la parasitologie. Il n'y avait pas de spécialiste. Ça a duré 2 ou 3 ans. Après l'indépendance, tout le départ des Français, toutes les villes étaient en manque de médecins. Et le gouvernement algérien avait fait des missions médicales avec tous les pays socialistes. Il y avait les Chinois à Rulizane, il y avait des Tchèques à Belabès et il y avait des Cubains à Moussaganem, une mission de Cubains. On avait même appelé l'hôpital Che Guevara et c'était une mission qui ne dépendait que de la présidence. Les Cubains se sont montrés vraiment indélicats. Ils ont fait la loi à Moussaganem. Ils ont crié et les gens se plaignaient. Et tous les gens se plaignaient. Et plus personne ne pouvait se prendre des mesures contre eux. Ils dépendaient directement de la présidence. C'était la seule mission qui dépendait de la présidence. En 69, tout a changé.
Les gens sont venus me voir. Ah, vous allez me garder. La première APOI qui va ouvrir, l'État a fait des nouvelles fonctions. Donc il y avait la PC et a installé la première APOI en 68. Donc en 68, 69, l'élection de la première APOI. Je me suis dit, mais on était au Dublin, on était il faut rentrer à l'APOI. Et je me suis retrouvé à l'APOI. Ah, ben, François était nommé président de l'APOI. Moi, j'étais vice-président. Président de la Commission des Affaires Sociales et de la Santé. Vous êtes de Sabéjan, il se coule à l'élecum. Sabéjan, il se coule à l'élecum. Bounounab, le Cuba. Revenant un jour le matin, si un Cubain est agressé, là. Dites-en un jour, j'ai dit que tout le monde. On a le communiqué, on a le communiqué, on a le communiqué. Et toute la ville s'est mobilisée. Bakrakas la Hamou. Gagnatikan, le grand hôtel, à Khawi. Il a dit, je vous fais un loyer de 3 000 dinars. Et ça a été un projet qui a été défendu à l'époque par Attar, le préfet. Le préfet Attar Houé a défendu le projet. Abed Francis, président de la POI. Djellul Ben Devdouche, le pharmacien. Laïd de Kourb Khair était président de la PC. De tous les notables. Un homme, Yakma, un homme. Moi, je ne suis pas Ness. Et puis à la fin du mois, en novembre, 69, le 13, j'en ai un arrêté, ouverture d'autorisation, qui dit que vous êtes autorisé. J'ai pas attendu, une semaine après, j'ai fait l'ouverture officielle, avec le préfet, le préfet. J'ai ouvert ma clinique, donc un hadith qui est né, on doit se trouver avec un problème, de la clinique, qui est le messia. Un a dit, mais c'est un rassi. Mais si, mais ça me sert à qu'il dit. Et j'ai rencontré un ami, comme si un avocat magnifique. Quel est le limite des conventions? Et à l'époque, les Français avaient des cliniques, ils étaient avec des conventions. La Case Oran faisait une convention, la Case Oran Alger, la Comps, les fonctionnaires. Ils signaient une convention, tous les assurés étaient payés en charge par la caisse. Ils ne payaient rien, ils avaient une prise en charge. C'était une convention avec toutes les cliniques. Avec la caisse agricole, Hadou, Mechalsos, la clinique. Donc j'ai inventé la médecine gratuite avant le temps. Quand Nestral Hamdi est devenu prise en charge, Mechalsos. Et là, c'était la seule clinique. Pendant 13 ans, jusqu'en 83. En 69-83, j'étais tout seul. Ah, oh, t'aimes quand même. C'était pas possible. Je faisais, je sais pas. Je comptais pas. Je faisais 6, 7, 8 accouchements par jour. 4, 5, 6 interventions. Avec les prises en charge. Et puis, on arrête. Il a dit, mais je fous de consultation. J'ai appelé Ben Derdouche. L'aide de Kourb Khair, le président de la PC. Tout à l'heure, il a un système d'AMG. Et la PC nous a fait le système d'AMG. Pour les pauvres, les madames, il y a un AMG, assistance médicale gratuite, il y a 70%. Ou les 30%, c'est moi qui les paye, la clinique. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des madames, il y a des wikimères, la chèvre. Ah oui. En un comme celui qui fait une clinique, monsieur, il se met le best soin. Libre, va soigner la démonadrie. Mettez-le au fil de l'île. Avec des doses au fil de l'étage. Ah oui, vous arrivez le soir, les enfants dorment. Vous partez le matin, ils sont partis. Vous ne les voyez pas pendant des jours et des jours, c'est pas vrai. Puis il y a des choses qui sont bien. Ah, moi j'ai des plaisirs. Il n'y a pas longtemps, il y a 7-8 mois, il y a une petite fille qui est venue, une petite jeune fille mignonne qui est venue accoucher. Elle venait d'un là-bas. Et elle est rentrée, la chambre 53. Quand le docteur Karachi venait, mais elle a dit, il y a le roi, il y a l'homme du peu le froid. Peut-être qu'il fait une tana, peut-être qu'il y a une petite chose, la tana capitalia, oh, il y a un an, maman, la tana capitalia, il me dit, qu'est-ce qu'il y a un docteur, c'est tandek. Ou on dit, il y a un nebba, mais c'est tandek. On vous fera une surprise, qu'est-ce qu'il y a un nebba. Ça a été dit. Deux jours après, ils sont rentrés trois dames. La première dame avait dans les 70, elle dit, monsieur, le docteur, elle dit, j'ai accouché chez vous en 70, de Habiba, ma fille. Ma fille a accouché chez vous en 91, de Yamin, et Mariam a accouché chez vous. Et ça a été ma plus grande joie depuis. Je ne veux pas voir plus. Toutes les générations. Ah oui, trois générations. Mahram alaikum. Ramen Tony. C'est vrai, c'est beau. C'est ça la vie. Je vous assure, un enfant qui naît, la maman qui sourit,
Montagne, c'est tout. Le reste, c'est passé. En 1998, j'ai reçu une invitation. Une invitation par des médecins de Annaba, de Constantine de l'Est. Ils tenaient une réunion à Alger pour former une association de cliniques. Donc je me suis rendu à cette réunion avec plaisir, en compagnie de Khaddaoui, le docteur Dedouche, Durand, et on s'est rendu à cette... Les gens de l'Est avaient fait du travail extraordinaire. Il y avait déjà leur président de l'association, le vice-président, je suis arrivé, pas de problème. On a fait des travaux et on a entendu quelqu'un dire que moi je suis la première clinique que j'ai ouvert en Algérie en 82. 82. Puis mais non, c'est de 12 ans, même. Non, alors 82. Non, que l'on 69. Que nous non, c'est en 69. Que nous. Ils m'ont présenté. Et là, tout le monde a changé. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que de 69 à 82, la situation avait été facile. Les différents médecins, les différents ministres, et tout le monde entouré d'une aura de respect. On a soulevé le sanctionné, comment j'avais fait pour durer autant de temps, comment j'avais fait pour passer le socialisme, le socialisme, d'ailleurs, la médecine. Et puis au bout d'un moment, il y a eu l'élection. Et tout le monde m'a porté à l'unanimité que seul candidat. Je me couchais avec le gaz. Et comme vous s'envoyez avec les autres présidents. Il y a eu une reconnaissance de tout, ça m'a fait chaud au cœur. Une reconnaissance de tous les patrons de clinique. Devant un ancien qui s'était battu tout seul pendant 14 ans. Et moi, maintenant, ils étaient chers, ils étaient. On a monté l'association des cliniques privées. Et là, on a déposé un dossier au ministère de l'Intérieur. Et là, le ministère a manqué le coche. Ils auraient dû nous reconnaître ce qui existe, ce qui est un fait réel. Il y a une cinquantaine de cliniques, on fait plus de travail que l'État. Ils auraient dû nous aider. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de reconnaissance. Ils nous ont ignorés, ils nous ont bousculés par des faux problèmes, des pénuries de filtres, des pénuries de films, des pénuries de headaches, alors qu'on représente une force vive. On arrive presque à la fin de cet entretien, qui est d'ailleurs très passionnant. On aimerait savoir, à 85 ans, quels sont vos projets. Mon projet, je suis en train de construire une grande clinique, pas loin d'ici, une véritable clinique. Une grande clinique avec 60 lits de réanimation, avec 4 blocs, des 10 au 5, 10 au 7. Vous devez ramener. Ça devrait être un hôpital. Et moi, j'ai donné ce qui me touche. J'ai donné à la clinique Habib le nom de prénom de mon père, Bouakismoul Habib. Et j'ai demandé à mes enfants, alors comment vous allez appeler? Ils ne me posent pas la question. L'appellera Hassan. D'accord. Une dernière question. Un message pour la jeune génération de médecins. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Un noble métier. Il ne faut pas le gâcher par l'argent. Quand on veut faire de l'argent, on fait de la limonaderie, on fait du pressing, et pas là. Il y a des gens qui vendent, des gens qui s'endettent, des gens qui vendent leurs bijoux pour se faire soigner. Et il faut que la médecine s'humanise. Le malade n'est pas un malade. Le malade, c'est un homme ou une femme qui souffre. Maintenant, si elle souffre, et vous la débourser de son argent, haram alik. Et la mesquine, c'est ce que je dis, haram alik. Il faut être humain avant d'être médecin. Si vous pouvez, je vous ai dit, on a des règles depuis, dans ce clinique depuis 50 ans. Mes enfants, je suis fier d'eux, ils ont conduit. Jamais un décès ne doit être encaissé. Un décès, jamais ne demander un dinar. On arrive qui est Hafad Ali, il y a une intervention. Pour X, ça n'a pas marché. Il refait la même intervention. On le fait depuis 50 ans. Ça ne nous a pas appauvri. Baraka Flokhlil, Baraka Flokhlil. Je vous assure, moi je suis peut-être croyant, j'ai fini avec moi qui ai vécu une vie difficile. J'ai fini à aller à la Mecque, j'ai dit, oui, mais la vérité, les vraies choses, les vraies valeurs. C'est pas l'argent, tout ça, c'est pas ça. Acteur comme moi, tous les voyants. Et la vie, c'est un clin d'œil. Le monde que je dis, c'est notre destin. Ça passe vite. Et moi, je dirais,
Il faut être fier de pouvoir se regarder. Il faut être fier de pouvoir regarder ses enfants, sans avoir honte de ses enfants, et que vos enfants n'ont pas honte de vous. Ah, il faut être fier. Et chacun à l'eau. Moi, je suis parti orphelin très jeune. J'ai traversé la France, j'ai traversé les pauvres, la misère, la prison. Mais c'est rien. C'est rien. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez appris à vos enfants, aux gens qui vous connaissent. J'ai la refait. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Merci. Vous m'avez fait un grand plaisir. Des refrains au chant, rire, ronde d'été et matine des enfants. Joie, joie, t'as 10 ans, joue à la marelle. Joie, joie, t'as 10 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche des amours, des je t'aime, des serments. Main tremblante, larme à l'œil, et rendez-vous, cœur battant. Joie, joie, t'as 15 ans, ton regard étincelle. Joie, joie, t'as 15 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche de mariage et carillon dansant, joie, amour et ciel. Et balade des amants. Joie, joie, t'as 30 ans, t'as le droit de tout faire. Joie, joie, t'as 30 ans, t'auras jamais de meilleur temps, t'auras jamais de meilleur temps. Cloche de glace au nez, au brouillard et au vent. Détresse de l'automne et plainte des autans. Joie, joie, t'as 60 ans, ta beauté se perd. Pleure, pleure, t'as 60 ans, t'as usé tout ton meilleur temps, t'as usé tout ton meilleur temps. Cloche triste d'hiver, t'es cloué sur ton banc. T'as trop de souvenirs et plus assez de dents. Joie, joie, t'as 100 ans, redis tes prières. Meurs, meurs, t'as 100 ans, t'auras peut-être là-bas du bon temps, t'auras peut-être là-bas du bon temps.